Lorsqu'elle fut présentée au Salon de Tokyo à la fin de l'année 68, la 4 pattes Honda a marqué les esprits, mais on ne sait pas encore qu'elle va marquer l'histoire de la moto. Cette machine présentée par le grand constructeur Honda rassemble la totalité des technologies issues de la course que Honda a pu acquérir durant les années 60, et toutes ces technologies vont être mises en œuvre en une seule fois sur une machine destinée au plus grand nombre. Un démarreur électrique, un frein à disque, 4 cylindres, 200 km/h, 67 chevaux, tous ces ingrédients font rêver. Il ne faut plus être un spécialiste, il ne faut plus être un mécanicien, il ne faut plus être un grand pilote pour pouvoir suivre sa mécanique, pour pouvoir maîtriser les ruades plutôt pointues. Il suffit simplement d'être passionné pour pouvoir rouler sur la machine la plus performante de son époque. Entre-temps, elle aura fait naître la catégorie des hypersportives, elle aura fait naître nombre de copie de concurrente, mais une seule va réellement atteindre le rang de mythologie, la 4 pattes, et bien la moto du siècle. Plus de 500 000 exemplaires. Dire que la CB750 est un monument de l'histoire motocycliste ne se résume pas à un chiffre, mais il parle de lui-même. Premier gros cube accessible, première moto résolument tournée vers la modernité, et aujourd'hui encore, fait office de référence absolue. L'histoire de la CB750 est marquée de grands coups. Le choc est perçu dès son apparition, mais aussi bien la première victoire au Bol d'Or dès son premier engagement en 1969, que la victoire à Daytona en 1970 finiront d'asseoir l'aura de cette diva. La CB750 a durablement installé la réputation de Honda. En détaillant la machine 40 ans après, pour ce modèle K2 de 1912, on comprend aisément pourquoi. La finition est soignée, chaque détail le prouve. Une platine pour les voyants d'instruments, une série d'inscriptions destinées à l'utilisateur, des chromes de qualité, un embrayage souple et aucune trace d'huile suspecte. La CB750, ce sont de nombreuses innovations et fonctionnalités qui vont changer la pratique même de la moto. Clé de contact, starter accessible, kick ou démarreur électrique, la 4 pattes s'ébroue à coup sûr. Reconnaissable de derrière avec ses 4 pots d'échappement, la marque japonaise a aussi été la première à mettre son nom sur le dos de celle. Elle s'ouvre latéralement pour accéder à la batterie et le raffinement va jusque dans un petit rangement pour les papiers. La technologie du 4 cylindres est moderne avec sa distribution à simple arbacam en tête, signée sur la culasse par le sigle SOHC. Le moteur Honda est à carter sec avec un réservoir d'huile externe et une pompe qui assure la lubrification, solution existante mais sans fuite, contrairement aux anglaises de l'époque. Le réservoir de 18 litres avec son bouchon à ouverture rapide n'a pas de clé. La consommation tourne entre 6 et 7 litres. La CB750 reçoit déjà ce que l'on va appeler des Komodo qui regroupent les commandes électriques. Avertisseur, phare, clignotant et déjà un coupe-contact situé à main droite. N'oublions pas le frein avant à disque avec son étrier flottant. La Honda a aussi été la première à abandonner le frein à tambour à l'avant. Il y avait d'origine l'ancrage pour le doubler d'un second disque, rendant le freinage plus ferme. À la conduite, tous les arguments techniques novateurs à l'époque font de la Four une machine au comportement général étonnamment moderne encore aujourd'hui. Évidemment, la qualité des suspensions date un peu, le freinage surprend avec cette pédale arrière qui commande un tambour devenu inusuel et la direction engage. Mais la machine se révèle souple, facile à prendre en main et le moteur est incroyablement présent au bon sens du terme. Vivant, disponible, il reprend dès les plus bas régimes, tracte des 3000 tours et monte allègrement à l'assaut de la ligne rouge dans une sonorité enchanteresse, aujourd'hui oubliée.
La magie des quatre pots opère toujours. Cette machine ne fait pas son âge, la preuve de son avance à l'époque.